C'est Caribou Canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Oh yeah, allez, on continue l'aventure de Bug Fables, chapitre 7, sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! On est rendu à plus de 40 heures de jeu, ce jeu. Donc là on est rendu à la fin, mais on a dit que il nous fallait plus de survie. Donc on va changer des items, s'en mettre des meilleurs. What? On va essayer d'avoir plus de... On va se débarrasser d'une couple de choses. Salut Malenko, comment ça va? Ça va, on va voir, on va essayer de battre le... un des boss.
Je chien que la fin là, c'est la première fois que j'ai de la misère. Alors moi je devrais avoir, il faut des atouts que j'ai pas, donc il faudrait attraper dans des missions secondaires. C'est pas normal que j'ai toutes ces clés là. Comme ça, j'ai aucune idée. Tout ça, j'ai aucune idée à qui les donner. Bon. Il faut le battre 4 fois. Ben, la première fois est facile, après ça, il va se passer quelque chose, après ça, faut le battre 3 fois, je crois. En tout cas, j'imagine, c'est 3 fois, là. Oh non! Je recommence vite fait, là. Change de sauvegarde juste avant. J'ai mal positionné J'ai mal positionné l'ordre de mes personnages. Bon. Allons-y. Salut, Modo Bouchon, comment ça va? Bloqué.
Bon, on a eu la première partie. Déjà sur Twitch, je viens de trouver. Hey, t'es chez Caribou, prends ta chaise puis regarde-moi. Il l'a fait deux fois. C'est la première fois qu'il le fait. Il se remplit. Un autre flying drop. Toi.
Essaye de pas le fucker, là. Ouf, c'est proche. 33, ok. Bon, ça, ce serait peut-être la dernière fois. Bon. Bon. Pas déjà! Non! Fuck! Comment ça, j'ai pas pu les séparer? Non! Comment qui? Décaliste, toi. Décaliste, c'ti.
Fuck! J'ai tout pris, j'en ai pas assez! Il m'a trop attaqué vite puis il m'a détruit mes affaires. J'ai pas pris beaucoup de mauvaises décisions pourtant. Attends, c'est mieux j'ai été, mais... Putain. Il m'a attaqué direct avec sa clé, c'ti. Retry ou pas? Et le laser fait mal. Pas me permettre de faire ça. Oh, Alice, elle avait monté. Ah, il m'a encore monté là. Incroyable, Stitch fucker.
Ouais. Deuxième fois. Utilise les lampes de suite. Yes. T'as là, ils ont utilisé. Tout de suite. T'as pas d'autre chose à faire, c'est dessus!
Fuck! Non! Comment qui? Ben, trouvez-vous une vie. Rien pour se remplir déjà. Oh, il y a un Q2 ce fois-là. Thank you.
Le seul, fallait pas qu'il tuait. Mais plus rien, c'ti. Charlie. Putain de handicapé! Ah, sti! T'es proche là, mais non. Oh, Lix, t'es proche. Dernière fois. Thank you.
0. Rien? Oui! J'ai donné ma place pis ça... J'ai perdu mon tour. C'est bien weird ça. En fait, ce qui m'aiderait, c'est des nouvelles recettes. Le fait de trouver des recettes, ça m'aiderait à avoir plus de HP et tout dans mes affaires. C'est trouver le bon mix. Ça me tente parce qu'il fait ça. Ah, c'était proche. Thank you.
Ouais, mais je suis concentré pis ça me rend impatient. Qu'est-ce que j'ai là? Ah bah là, j'ai plein de mauvaises choses. Ah la putanasse! Bon, troisième fois! Qu'est-ce qu'il va faire là? Putain! Direct au début! Oh oui, il a fessé le banc puis je l'ai bloqué. Je pouvais pas fesser mieux la petite abeille en arrière. Décalisse. Bon, relax. Asti. Ah, putain! Thank you.
yeah! Fuck les pas. Oh my god! Dis-moi je l'ai. Oh! Dis-moi que je l'ai! Yeah! Oui! Si moi. Hey là, je vais pas me battre de nouveau, je suis vraiment tanné là. Je ne peux pas finir de cette manière! It's over, Vermin! J'ai le power! J'ai la force! Rien en tout. Hein? Hein? Il finit? Je ne peux pas. Je suis le roi. Ouf. Je suis le nouvel arbre. C'est passé. Drôle de fin. C'est devenu une graine. Ça m'a été super chanceux. Il va se passer quelque chose. Je vais couper l'arbre, regarde ça. Oh, il est devenu un arbre maintenant. J'espère qu'il n'y a pas de magie qui va venir de lui. Pourquoi il s'est transformé? Il était peut-être pas assez bon pour contrôler cette force. On peut peut-être le couper juste au cas où. On va couper l'arbre et placer une statue de la team Snake Out qui est eux. Tabou. Es-tu vraiment satisfait de tout ça?
Phew, j'avais peur, j'étais prêt à me battre de nouveau là. En train de se demander maintenant qu'il n'y a plus rien à protéger, qu'est-ce qu'elle allait faire, mais je pense qu'ils vont rester là pareil. On trouve le Roach Village. Détruit le roi, ouais. Es-tu sérieux? C'est le temps de célébrer. Allez, Matt! Fini le 7e chapitre, mais ça n'a pas l'air d'être fini. Fais sauvegarder. Il y en a même, j'ai jamais vu. Comme lui, je pense pas l'avoir déjà vu. Non plus. Lui, pas sûr de l'avoir vu. Ben, la guitare, hein? Thank you.
du monde là encore. On est-tu prêt pour la cérémonie? Je pense que oui. J'ai pas réussi à sauvegarder encore, mais... Comme c'est pour célébrer la brave effort de notre ami. Merci pour les bits de cachot, GG le boss. Avec plus de 40 heures de jeu, Puck Fable fait maintenant la liste des jeux du Caribou Canadien terminé. Ah bon, t'as fini enfin? Oh, achacha. Code de Caribou, my own call, oh yeah! Ta-da-ta-da. Je sais même pas comment faire pour acheter les noms de jeux à la liste. Modifier les infos du stream peut-être? Non, c'est pas ça. Merci Charlie! Ouais, j'ai aucune idée. Je sais pas où mettre ça, franchement, la Matador.
Ah, moi que c'est. Ah, c'est si, est-ce que je suis con? Bon, la liste des jeux terminée. Ta ta la ta la 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 la. Vérifie un nom de jeu rapidement. Panache canadien, comment ça va? Pédalo Max LOL. Merci pour les crêpes de caribou, Charlie! Pédalo. Ah, ça fait du bien, finir ce jeu! Qui était pas facile! À la toute fin, était très pas facile. Mais je veux vous avouer que je pense que l'histoire n'est pas terminée parce que tu dois combattre quelqu'un d'autre après. Parce que la dernière fois, j'ai vérifié la liste des boss. Puis après moi, il y avait les trois amis avec la grosse qu'on a vu à la fin avec le gros sable. Là. On doit se battre contre ces trois-là, semblerait. Ça fait, après tout ça, il y a peut-être autre chose. Qui nous donnerait peut-être une aventure ou deux encore. Peut-être une émission en deux. Mais pour sûr, je ne ferai pas toute l'émission secondaire. Comme Mad m'avait envoyé, il y avait une photo d'une petite plante. Ça, je l'avais vu. Moi, j'utilisais Flydraw, mais l'autre gars, il utilisait autre chose. Kabu avait une nouvelle magie qui faisait qu'il pouvait lancer... Il se garochait sur le dos, puis il pouvait lancer une pierre. Ce qui ça permet, quand tu utilises Flydraw, c'est que tu utilises l'abeille en même temps. Fait l'abeille perd son tour à chaque fois. Comparativement, que si Kabu attaque tout seul, l'abeille peut attaquer de son côté aussi ou remplir. Ça qui me compliquait la tâche de ne pas avoir toutes les capacités possibles. Là, si vous voyez tout ce qui est à droite, là, ça, c'est probablement tout des Kickstarter, ça. Qu'est-ce qui est mad, mon panache canadien? Kevin Disco le moine. Pas français en tout, tu vois. Lorsque tu es dans des Kickstarter, comme quand on a acheté une coupelle, moi j'en ai acheté trois jusqu'à présent, maintenant j'en ai acheté deux,
Alors, ça vous permet d'avoir votre nom dans le générique, d'avoir des jeux à moins cher. Bonne journée, Mad. Bon travail. Et la fin. Bien. Je vous le souhaite qu'il sorte en français éventuellement. Ah, c'est toi ça. Donc là, il y a encore des aventures. En fait, une liasse des dernières missions. Je sais pas ce qu'il y a de nouvelles. Ah, le Kabo Request, tiens. Kabo, qu'est-ce qu'il aimerait? Il veut que tu retournes là pour voir son ami. Donc ça ne termine jamais dans ce magnifique jeu. C'était tout pour l'aventure. The Book Fable, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!